vérité. Tu vois, non, en plus d'être impoli, il est nul. Non, ne m'excusez pas. Sinon, la bâtiment de Tololo. Non. Vous savez. Attendez, vous savez qui vous avez devant vous, monsieur? Vous êtes un homme. Non. Comme moi. Vite, je peux me renouer. Mon Benjamin. Ok. Te dépasse en âge. En âge. Et je ne sais pas. Je veux même pas savoir ce que tu es. Ça ne me concerne pas. Ça va vous concerner. Non, 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 non. Parce que ce que vous êtes qui? Bonsoir, papa. Bonsoir, papa, papa, on a dit. Laisse ça d'abord, après tu vas prier. Qu'est-ce qu'il est si pressé comme ça? Un pécheur comme ça, il fait comme s'il prie. Ah. Quoi? Tu veux me parler ou tu veux m'embêter? Je ne veux pas vous embêter. Mais je suis venu ici. Qu'est-ce qu'il est si pressé? Non. Je suis en train d'appeler mon Dieu, évoquer mon Dieu. Es-tu venu couper mon truc là? Conversation avec Dieu, directement comme ça. En tout cas. Écoute, Nathalie, je n'aime pas ça. Papa. Tu as dit papa. Et tu m'embêtes, je n'aime pas ça. C'est pas pour ça. Non, trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que le locataire que les gens. J'ai un peuple de locataires. Vous avez envie de m'écouter ou pas? Moi, mes propriétaires, mes locataires là, il faut qu'ils crient sur moi. Mais viens avec moi. Quand je vous fais du mal. Je peux je pas faire ça. D'ailleurs, si Père t'a dit, je vais vider toute sa maison. Je peux parler. Mais la robe ni béton, ya. Maintenant, ce que moi je veux comprendre chez vous est que pourquoi chaque temps, moi j'utilise rien dans ma chambre. J'ai une seule lampe avec mon téléphone que je charge. Mais le courant, ça vient, ça monte jusqu'à 10 000, 20 000. C'est quoi votre souci, papa? Et ça, c'est loueur à vos voyages. Il faut aller voir SBE. C'est eux qui distribuent les trucs là. C'est pas moi qui augmente le prix des courants. Je ne prépare pas non d'un courant. Je suis client de SBE. Ah. Et c'est ce que SBE m'a amené. C'est ça que je vais prendre pour nous vendre. Pour nous vendre. Il faut dire pour nous vendre. C'est vous qui avez utilisé ça. On a utilisé ça. Et maintenant, là, pourquoi chaque fois c'est toi qui nous dis le prix qu'on doit payer pour le courant dans notre maison? On l'a loué. Mais ça dépendra de la façon dont le courant est augmenté. D'abord, au début, c'était à 2000. Maintenant, ça vient 4000. Chaque mois, ça augmente de 2000. Mais ça, affaire de courant, ce n'est pas mon problème. C'est SBI. Allez-vous plaindre là-bas. Hein? Vous allez papa, plaindre. Si je suis venu ici, là, c'est pour que ça se règle en même temps. Vous n'allez pas m'envoyer chez SBE. Comment tu veux que je dirais que ça? Maintenant, vous allez faire sortir la facture mère, là. Ce que SBE vous a envoyé, là, vous allez faire sortir. Ça va voir quel prix est sur ça, d'abord. Ouais, pas venir. Oh. Quoi, c'est sorti comme ça, là. Moi, je vais faire sortir la facture mère. Oui, tu n'auras ça jamais dans ma vie. Ah, là maintenant, là. Tu n'auras ça jamais. Vous voulez la bagarre parce que je suis venu en paix. Je suis venu ici en paix. Ça, là, vous voulez la bagarre. Et vous le voulez. Non, ce n'est pas affaire de bagarre. Si tu ne coupes pas, je vais couper ton courant. Si jamais je manque de lumière dans ma chambre, là, je vais prendre sur ma tête. D'accord. Je t'attends. Ça ne va pas terminer là. Ça ne va pas se terminer là. Tu vas crier sur moi. On ira très loin avec ça. Parce que vous êtes un voleur. Oui, vous êtes un voleur, un vrai voleur. Courant. Oui, vous êtes un voleur. Djoto, ami. Et les descendants, ils sont là. Djoto, ami. Ils m'ont mis l'héritage. Ils m'ont mis le fameux. Ils m'ont mis le fameux.
Tu as raison. C'est parce que prendre des locataires, pareil, c'est comme ça que locataire, bordel, propriétaire, que je ne sais pas comment je vais dire. C'est bien. Hein? C'est ça. Bien. Tu as raison. C'est bien. C'est parce que je n'ai pas fait l'enquête avant de louer mes chambres. Mais c'est de prendre ou à laisser. Tu n'auras jamais la couleur de la facture mère. Et tu payeras ce que je t'ai donné comme redevance. Ça, on verra. Parce que SBE ne vend même pas un kilowatt à 200 ou bien 300. Mais pour vous, là, ça va jusqu'à 350. Je peux vendre ça à 650. Vous êtes un vrai voleur. Je peux vendre parce que je me suis allé là-bas, SBE là-bas. Il faut voir l'écart qui est ici entre l'agence de SBE. Et vous mais là, qui fait l'agent chez nous? Je dois bénéficier ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai en train de dire, que vous êtes un vrai voleur. Je suis pas un voleur. Vous êtes un voleur. Tous les propriétaires de ce pays-là, c'est ce qu'ils font. En ton temps, même qui va nous faire ça? Emmanuel Nguaro, il comptait, mais là, il doit. Il doit prier pour eux. Papa, l'école, c'est une venue en couteau. 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 Papa, l'école, c'est Il y a des gens qui ont fait des choses. Hein? Va voir, à côté là. Les gens prennent caution SBE. Moi, je n'ai pas de copine. Caution courant jusqu'à 100 000 francs. 100 000 francs. Tu as les preuves de ce que tu avances. Vous avez les preuves, papa. Je ne suis pas à ton égal. Ah. Et je ne suis pas chez toi ici. C'est toi qui es oui, chez moi. C'est l'impolitesse de votre famille. Ne m'insultez pas. Je vais vous insulter parce que vous le méritez. Pas. Je vais vous insulter. Je ne suis pas. Je vais vous insulter. Vous appelez Dieu sur quoi? Sur votre péché? Ah, mais si tu ne payes pas, je vais couper. Tu peux me convoquer. Tu peux me convoquer là où tu veux. Je vais vous convoquer. Chérie. Oui, bébé. Il se passe quoi? Je suis dans la chambre. Oui, c'est notre propriétaire. Oui. Chaque temps, là, lui, là, le courant que SBE nous donne, là, le kilowatt, si c'est trop, là, c'est 150. Lui nous vend ça à 350. On parle, il dit que c'est ce que les autres propriétaires font ça. Je comprends l'affaire. C'est l'affaire dont tu m'avais parlé. Oui, c'est ça. Bonsoir, papa. Bonsoir, Yavi. Comment vous allez? Ça va. Ça va très bien. Allez, ouais. Ça va très bien. Voyons. C'est ma femme. Je sais. Ok. Ah, je sais, c'est ta femme. C'est ma femme. Tu es parmi ses maris, c'est ça, non? Tu es parmi eux. Tu as dit que je suis parmi eux. Je ne suis pas parmi eux. Tu n'es pas parmi eux. Non. En tout cas, ça ne me concerne pas. C'est moi qui dors ici. Et lui aussi, c'est nous deux qui dors ici. Et nous, on connaît ce qui se passe ici. Papa, qu'est-ce qui se passe? Non. Chérie, calme-toi. Je ne veux même pas parler de ça. On connaît ce qui se passe ici dans la nuit. Papa. Tu as dit que tu es son mari. Je suis son mari. Tu es parmi les gars qui venaient ici alors. Ah. D'accord. Papa. Je ne veux pas parler de ça. Il n'y a pas de roi, mais. Il n'y a pas de roi. Si elle veut que. Des trucs sortent là. Ça va sortir. Ok. Parce que je suis âgé de moi. Ok. Voilà. C'est bon. Pour moi laisser. Vous avez fini? Oui. Ok. Je ne veux pas parler de ça. Parlons de ce qui est lieu maintenant. Oh, courant. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Elle utilise courant très mal. Ah bon? Très mal, je dis très mal. Elle va laisser ses ventilateurs jusqu'à. Normalement, pour coucher dans la nuit, tu peux allumer
ton ventilateur. Oui. À zéro, tu peux couper ça. Mm. J'ai dit à zéro, la flèche que tu as déjà reçue, oui, ça te va pour jusqu'à matin, le matin. Lui, là, elle n'était jamais son ventilateur. Mm. Elle laisse sa veilleuse dans la chambre. Je bats des yeux pour voir. Vous êtes dans la chambre avec elle pour voir tout ça. J'entends flou. J'entends flou. J'entends, quand je passais, j'entends flou. Et je vois la lumière à travers la fenêtre de sa chambre. Ça veut dire quoi? Papa, je vais vous poser une question. Vous vendez le courant à combien dans cette maison? Ce n'est pas votre problème. Vous, le propriétaire, je ne sais pas si ton papa a construit une fois. À côté, je sais pas. Excusez-moi pour le thème. Excusez-moi. Je sais pas si tes grands-parents ont construit une fois. Si il faut poser la question à tous les propriétaires du Bénin, que comment ça se passe? Tu sais, il y a des propriétaires qui vendent ça à 250. Il y a des propriétaires qui vendent ça à 300. Jusqu'à 600 francs. Ça dépend là où ils ont pris le courant. Ah bon? Moi qui suis maintenant, j'ai tiré le courant. De jusqu'à sommet, au marché, tout là-bas. Et j'ai acheté le courant avec des bois pour tirer ça jusqu'à là-bas ici. Vous voyez? Ah bon? Et le courant que le vent mange là, qui va payer ça? Le courant que le vent mange. Le vent mange parce que. Si c'est le cas là, c'est là où tu as tiré le courant, et si c'est élargi là, parfois, oui, vent mange le courant. Ah bon? Et ça s'évapore. Tu vois, non? C'est cette perte là qui va assumer ça. Donc, c'est pourquoi tu dois augmenter un peu légèrement, un peu, pour pouvoir couvrir les dégâts éventuels. Ah! Donc, chérie, donc ce que tu m'avais dit là, c'était la vérité. Tu vois, non, en plus, c'est un poli, il est nul. Non, ne me quittez pas. Sinon, la bâtiment de Trollo. Non. Attendez, vous savez qui vous avez devant vous, monsieur? Vous êtes un homme. Non. Comme moi. Vous êtes au me renouer. Mon Benjamin. Ok. Elle te dépasse en âge. En âge. Je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Ce que tu es. Ça ne me concerne pas. Ah, ça va vous concerner. Non. Parce que ce que vous faites, vous êtes qui? Je suis le chef département de la SBE. Je travaille à la SBE. C'est ce qu'on mange ça? Partout. Ce qu'elle avait ici. Sur le département, c'est moi. Je vous montre ma carte. Voilà ma carte. Vous voyez? C'est moi. Hein? Donc, vous, là maintenant, vous êtes en infraction. Donc, tu sais, vous méritez. Non, tu sais. Tu sais, ne m'arrêtez pas là. Non, tu sais. Non, ne m'arrêtez pas. C'est ma fille. Non. Vous savez que vous êtes en infraction. Non, elle est ma fille. Oui. Elle est ma fille. Je l'aime. Dans la maison là, tout le monde sait qu'elle est à part. Mais si quelque chose arrive là, tu vas venir vers moi. Tu vas dire, mon papa, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Au lieu de crier sur moi, elle a commencé par crier. Alors, on ne vit pas. Est-ce que j'étais jamais offensé ici? Tu vas m'amener mon portable. Je vais appeler. C'est pas ça. Viens, les policiers. Viens, mon garçon. Et viens. Ils vont l'enfermer. Non, viens, mon garçon. Parce que ça, on appelle ça l'usurpation. Garçon. C'est pas un fait de garçon. Non, c'est pas. C'est un péché. C'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui lui donne de l'argent. On n'arrête jamais son propriétaire. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Celui qui a construit une maison, il s'est atomé dedans une fois là pour mettre ta tête là. Si tu as fermé ces personnes là, tu as péché contre ton nature. Et si cette personne vole? Non, c'est pas vol. Ah, et les enfants maintenant, tu vois, les propriétaires qui a eu un seul carré et il y a plus de 20 enfants, comment il va nourrir ça? Donc on essaie de gruger un peu les locataires, de jongler l'agent de WC et l'agent de truc là, de l'eau, de non zouko et ordures, des poubelles, etc. Et à cela s'ajoute l'argent de. Non, je ne vais pas vous saluer. Non, parce que là, j'étais venu en paix. Mais là, je vois que chéri, il est en train d'exagérer. Je vais appeler. Je le taquine. C'est une taquination.
tout ce que vous dites ici. Non, c'est lui ta création. Alors, ma fille. Quelle fille? Ne me touche pas, ma chérie. Vous êtes malade? Ça va, ça va. Ah, mais ça, c'est de l'exagération. Hein. Non. Ah. Vous savez, je suis venu plein de vodka. Non. Parce que demain, on rentre. Vous allez dormir en prison. Oui, on rentre. Oh, non, laissez-moi. On rentre. Non, on rentre. Non, on va dire ça. Le mieux des oreilles, hein. Tu as vu les gens des quartiers. Ils sont venus attendre ça. Non. Hé, la Dieu, la non, c'est tout au père. Alors ma fille, rentre. Cliquez ici pour regarder d'autres vidéos. Et cliquez. Pour voir encore, il y a plus d'autres vidéos. Faites comme je vous ai dit. Waouh, je vous aime trop.